Hey guys, c'est Lovebox. Aujourd'hui, on va faire du détecteur de métal avec Danino. Yes! Bon, je vais mettre sa chaîne en description comme d'habitude parce qu'il y a une chaîne YouTube à ça. Puis il fait de la musique de Cicalis. C'est fucké, mais il fait de la musique, ce gars-là. Là, yes! Chante. Ça a l'air à ça. C'est un artiste! Un artiste! Trompé. La vraie détection, mes amis. Ouais. C'est pas toujours trouver plein d'affaires qui est full nice, mais on a du fun. Puis quand on tombe sur quoi qui est bon, ben on est content en tabarnak parce qu'on en pogne de la marde. On va essayer de tout vous montrer, comme ça vous allez voir que souvent on pogne vraiment de la marde. Mais que des fois on peut aussi être chanceux puis trouver des belles pièces ou des affaires de même. Faut être chanceux par contre parce que c'est pas comme aux États pis ça qui filment toutes les meilleures affaires ou qui cachent leurs affaires par ceux qui filment. Parce que ça on en voit partout, mais nous autres on va vous montrer c'est quoi le vrai métier, le vrai profession. La vraie profession comme que Damien dit. Fait que c'est ça, on vous décolle ça right now. Yes! Bon, mais la première trouvaille, Damien. Ouais, j'ai trouvé un beau fil de cuivre, mes amis. Fait que c'était probablement un câble électrique. Mais c'est ça, c'est pas très intéressant comme trouvaille. Bon, mais pour le moment, on a trouvé une genre de pièce en plastique avec l'intérieur de métal. On sait pas trop c'est quoi. Puis, notre fil de cuivre. Je suis un peu essoufflé, mais en tout cas, ça, dans le fond, Damien me prêtait son ancien détecteur. Puis, on a oublié de faire charger les batteries avant de venir. Fait qu'on a plus de batterie dans le premier détecteur, fait qu'on va aller en acheter. Je sais pas c'est lesquels les meilleurs ici. Bon, on vient de changer de spot. L'autre spot, il y avait trop du gazon long, fait qu'on a changé de spot en même temps d'aller chercher des batteries. Fait que là, c'est une vieille grange écrasée là-bas, avec une maison qui a brûlé. Puis c'est ici que Damien s'est fait chier d'en face l'autre fois. Si je trouve la photo, je vais la mettre dans l'écran. Un bout de bois, mais ça devant mec. Ah, je pense que c'est le détecteur qui fait fuck top. Hey! Bon, Damien, qu'est-ce que t'as trouvé là? Ouais, moi j'ai trouvé une affaire vraiment fuckée que je comprends pas c'est quoi. C'est une petite plaque. C'est marqué Love dessus, puis c'est marqué A sexual reproduction of this attend to whatever plant. C'est fucking Steve, je catch pas trop là. D'après moi, c'est une affaire pour les plantes. Mais ça parle de trucs asexuels, reproduction, là. Fait que c'est quand même inusité comme trouvaille. Bon, ben moi, j'ai trouvé ça. Je pensais que c'était une clé au départ parce qu'il y avait l'anneau puis la petite anneau en haut là. Mais quand je l'ai sorti, c'était lettre en tabarnak puis ça sert à rien pantoute. Puis pour vous montrer, je viens de creuser là, rien que pour trouver ça. Fait que c'est pas comme dans une vidéo qui creuse 30 secondes puis qui trouve. Du diamant là. Bon ben pour commencer j'ai trouvé une plaquette de métal qui vaut pas de la marde mais ça a fait bip bip fait que j'ai creusé. Après ça j'ai pogné une autre plaquette de métal encore plus grosse. Si je pense que je vais me mettre à vendre du métal man. Ben par la suite si j'ai continué à creuser man puis j'ai trouvé la première affaire rare que j'ai jamais trouvé avec un détecteur de métal. C'est une ancienne pièce des années 1900 ou 1800, soit début 1900 soit fin 1800 d'après nous. Ouais. Fait que on va essayer de la laver puis si j'ai réussi à avoir les photos, je vous le mets direct dans l'écran. Bon ben moi j'ai trouvé un petit grelot, d'après moi ça laisse ses attelages de cheval. C'est quand même assez vieux là. Bon ben petite update sur qu'est-ce que j'ai trouvé, dans le fond on trouve plus grand chose depuis tantôt. On va peut-être finir par changer de spot, je sais pas trop. Ça va dépendre de Damien, il est encore en train de chercher là-bas. Dans le fond j'ai juste trouvé une botte. Un bout qui tient un muffler, genre c'est un tracteur, whatever. Puis une plaque de métal, mais j'ai trouvé beaucoup d'autres choses, mais c'était tellement inutile que je les ai juste jetées. Même ça, c'est très inutile parce que je voulais vous montrer quelque chose. J'ai pogné des plaques de métal, des lames de spring, de pick-up, whatever. J'ai tout crissé ça dans le champ là-bas. Au moins, genre, ça a dépollué. Là. Je dis j'ai crissé ça dans le champ, mais en vrai, je les ai mis à côté, genre, une place stratégique là, pour que le monde le ramasse. Parce qu'en même temps de ramasser nos vieilles choses, dans le fond, on dépollue. Fait que tout ce qu'on trouve comme tout ça là, ça aurait jamais fini par pourrir là, ça aurait juste resté en dessous de la terre puis ça fait de la pollution. Fait que nous en même temps on ramasse tout ça. Puis un exemple, tout ça on fout ça à la poubelle puis là j'ai crissement soif puis j'ai comme plus d'eau parce que toute l'eau que j'ai dans mon char est chaude que le calice parce que c'est comme genre comme ça là. Bon puis désolé guys si j'ai pas sorti de vidéo dernièrement, j'ai eu des petits problèmes dans ma vie, fait que j'ai pas pu vous sortir de vidéo dimanche. Puis ce matin j'ai pas pu la sortir non plus, fait que je la fais au courant de la journée de mercredi. Normalement elle va sortir mercredi au plus tard,
je sais pas quand. Bah, normalement, elle va sortir aujourd'hui, mercredi, mais comme je vous ai dit, j'ai eu des problèmes dans le fond, j'ai pas pu vous faire de vidéo. Mais demain, on part au Rocher Percé. Puis, je vous organise un vlog avec mes amis, puis normalement, on va saouler un petit peu parce qu'on saoule tout le temps. Là. Fait que normalement, on va vous filmer ça, puis ça va être insane. Fait qu'on continue nos recherches. Yeah, c'est une petite trouvaille de plus, j'ai encore trouvé un asti de grelot, mais ça reste tout le temps le fun à trouver. Fait que, ouais, il est complet, puis il y a même le petit bout pour l'attacher, puis c'est cool pareil. Yes! Bon, ben moi ça doit faire à peu près, quoi, 20 minutes que je creuse. Ouais. J'ai trouvé ça. Un gros caca, mes amis. Je sais même pas c'est quoi. On dirait un kayak écrasé. C'est dur à dire. Puis j'ai trouvé un couvert de bouilloire des années 1700. Moi aussi, j'ai trouvé un couvert de canne. Et ça, c'est nice. Et hey, c'est tout pour la vidéo, je suis vraiment désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de faire un beau montage, j'ai pas eu le temps non plus de filmer tant que ça parce que faut que je me prépare pour mon voyage que je m'en vais faire. Ben en vrai c'est pas un voyage mais c'est une nuit en camping à Percé, fait qu'il faut vraiment que je me prépare. Puis j'ai eu le temps de faire ça vite fait aujourd'hui, fait que voilà la vidéo d'aujourd'hui. La prochaine de dimanche normalement ça va être le vlog à Percé avec mes amis, fait que oubliez pas de laisser un like, vous abonner, puis je vous aime.